prévu un speech, Damien? T'as quelque chose à dire? Ils savent qui je suis, maintenant! C'est tout. T'as rien d'autre à dire. Hé hey, ferme ta gueule! Regarde-toi un peu! Tu te sers des champs pour attaquer un parrain de la mafia! Tu te crois tout permis parce que t'as causé, quoi? Noble? Tu m'as manipulé. Voilà la vérité. Ah ouais, vraiment? Clara, c'est ta faute autant que la mienne. Pareil pour ta nièce. Voilà pourquoi ta famille est partie, non? Ils te connaissent bien. T'as un certain talent, Aiden. Mais il t'arrive aussi de perdre. Blablabla, la vache, que vous êtes bavard. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Désolé, l'ami. Nouveau contrat. Jette ton flingue. Quoi? Jette ton flingue. Vous verriez vos têtes. Vous en faites vraiment une affaire personnelle, c'est ça votre problème. C'est pour ça que tout a foiré. Et je vous conseille de retenir la leçon. Hop, 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 le téléphone aussi. Donne-moi ça. Allez, envoie. Je sais pas ce que Damien cherchait à accomplir sur la fin. À mourir, peut-être. Je voulais venger la mort d'une fillette. Et au final, tout ce que j'ai trouvé, ce sont des mensonges, des rois corrompus, une ville brisée. Quant à moi, j'ai changé. Je ne vis plus dans le passé. Je n'ai plus de regrets. Je regarde vers l'avant. Tout est connecté. Et je compte bien m'en servir. Pour dénoncer. Pour protéger. Et s'il le faut, pour punir. Flash spécial. Donovan Rushmore est mort. La police ne révèle aucune information. Les documents révèlent des liens étroits et des cas de corruption entre le maire et le dirigeant du Chicago South Club, Lucky Quinn. Le maire a-t-il mis fin à ses jours après ces révélations ou a-t-il été exécuté? Charlotte Gardner, directrice des relations publiques de Bloom, a émis un communiqué sur les problèmes liés au CityOS. Nous savions depuis le début que notre réseau CityOS serait la cible des hackers de toutes sortes. Ces cyberattaques ont permis d'éprouver la robustesse et la fiabilité de notre système. Et nous sommes satisfaits des résultats. Notre pare-feu a réussi à repousser les pires attaques et dans certains cas, il a pu fermer les accès au système avant que quiconque puisse s'y introduire. Vos informations personnelles sont en sécurité. Le réseau du CityOS est à nouveau pleinement opérationnel. Aujourd'hui, nous voulons accorder plus de temps à nos proches, jouer un rôle dans la communauté, vivre dans des maisons et quartiers plus sûrs. Bloom Industries est à votre écoute et vous comprend. Nous ouvrons les portes d'une nouvelle ère en faisant du monde notre communauté. Avec le CityOS 2.0, on s'intéresse à vous. C'est vous qui êtes au centre du monde. CityOS 2.0, pour des villes intelligentes, plus intelligentes. Tout de suite, l'interview d'une femme qui prétend connaître le fameux justicier Aiden Pierce. Nous accueillons aujourd'hui parmi nous la pédopsychiatre Yolanda Mendez. Docteur Mendez, votre histoire est extraordinaire. Vous connaissez bien Aiden Pierce, le fameux justicier de cette ville. Pouvez-vous nous en dire plus? Je connais Monsieur Pierce par sa famille, par sa sœur. C'est ce qui est surprenant pour nous. Les informations le concernant sont très rares. Donc, si j'ai bien compris, vous traitiez le traumatisme de son neveu? Oui, le fils de sa sœur. Je suis tenue au secret médical. Je ne peux donner aucun nom. Non, 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 non. Et c'est tout à fait normal. Mais vous avez rencontré Aiden Pierce. Qui est-il? Impossible de savoir précisément qui il est. Il fait tout pour masquer sa personnalité. Et il le fait très bien. C'est vrai? Oui, mais pas à la manière d'un joueur de poker. Il est extrêmement intelligent. Et il cherche à avoir l'avantage en toutes circonstances.
vous écrivez un livre. C'est exact. Je retranscris toute cette expérience. Une étude sur Monsieur Pierce. Quelque chose me pousse à explorer l'inconscient de cet homme. J'attends votre ouvrage avec impatience. Docteur Mendez, merci. Sec ramassé. Nos mises en garde sont tombées dans les oreilles de sourds. Notre réputation a été entachée par des avortons comme Default. Ceci est notre dernier avertissement. Il faudra rendre compte. Nous surveillons ceux qui nous surveillent. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes invincibles. Nous sommes en guerre. Même si une déclaration du commissaire divisionnaire reconnaît la baisse récente de l'activité criminelle, le justicier que l'on surnomme le Renard a été à peine mentionné pour sa lutte acharnée contre le crime. Une source anonyme a indiqué à nos reporters que de nombreux policiers seraient à titre privé en faveur du fameux justicier, même s'ils n'ont pas le droit de l'affirmer en public. Alors que Chicago est toujours sous le choc après le meurtre de Rose Washington et la mort du maire, l'élection ne passionne guère les foules. Et le nom qui revient le plus souvent pour le poste de maire par intérim n'est autre que Charlotte Gardner, vice-présidente en charge des communications chez Bloom. Ses défenseurs assurent qu'elle saura rendre à notre ville Les autorités tentent de recoller les morceaux après le terrible chaos causé par un dysfonctionnement du CityOS. La ville a connu d'importantes coupures, des ponts en panne et des dégâts s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Le CityOS est de nouveau en ligne, mais beaucoup se demandent s'il est doté d'un système de sécurité suffisamment puissant. Et toi ? Ça va, je tiens le coup. Dernier os à ronger pour toi. J'ai parlé avec Maurice, il a quand même fini par cracher le morceau. Je te donne le lieu et tu te démerdes pour le reste. Les affaires sont les affaires. Ouais, t'as tout compris. Y'a que ça qui compte. Il est comme ça, Jordi. Un fixeur qui aime les choses bien propres. Maurice représente un risque pour lui, mais au final, c'est mon problème. C'est lui qui a tiré sur ma voiture. Qui a tué ma nièce. J'aimerais dire qu'on est différent, mais j'ai plus de repères. Combien de personnes j'ai blessées ou tuées? Qui mérite de mourir? Qui a le droit de tuer? Je savais que tu viendrais. Les gars comme nous, ça s'arrête jamais. C'est fini. C'est toi le dernier. Maurice est prisonnier de son propre enfer. Lui aussi est une victime de tout ça. Et puis, il y a eu suffisamment de morts. Il a droit à une deuxième chance. Et moi aussi. Grâce à vous, le réseau CityOS a connu une année exceptionnelle. La ville de Chicago s'impose comme un exemple, et c'est avec
nous allons nous implanter dans d'autres grandes villes du pays et partout dans le monde. La ville tout entière est désormais à votre porte. Le CityOS 2.0 sera disponible cette année. Grâce au CityOS, le futur est à portée de main.